Bienvenue pour ce tuto Me désinscrire. Nous allons voir aujourd'hui comment désactiver un compte Facebook. On verra donc le processus à suivre sur PC et également sur l'application mobile. Sur PC, on se connecte donc à son compte Facebook. On va cliquer en haut à droite sur l'icône pour afficher le menu et on va sélectionner ensuite Paramètres. On se rendra ensuite dans Vos informations Facebook dans le menu latéral de gauche. Et on verra ici en bas de page Désactivation et Suppression. Ici, on aura les deux options, l'option de suppression définitive et la désactivation. Nous, on va sélectionner Désactivation et poursuivre la désactivation du compte. Vous sélectionnez ici la raison de votre choix. Nous, on va mettre Autre et on va inscrire Je souhaite désactiver mon compte. On va également sélectionner Arrêt des emails pour ne plus recevoir de messages de la part de Facebook et on confirme en cliquant sur Désactiver. Facebook nous explique en désactivant votre compte, vous désactivez votre profil et supprimez votre nom et vos photos de la plupart des contenus que vous avez partagés sur Facebook. Par contre, certaines informations resteront visibles au niveau public. C'est notamment le cas de votre nom, de votre liste d'amis ou encore des conversations ou des messages envoyés. D'ailleurs, fait intéressant, si vous souhaitez utiliser Messenger sans compte Facebook, vous pouvez désactiver le compte et continuer à utiliser Messenger. On continue désactiver maintenant. Et voilà, le compte Facebook a bien été désactivé. Si on souhaite le réactiver, il suffira simplement d'utiliser son adresse mail de connexion et son mot de passe. À la réactivation d'un compte Facebook, toutes les informations de votre compte sont restaurées. Sur mobile, on va donc se connecter à son compte Facebook. On va se rendre en bas à droite sur l'icône des trois traits. On descend ici pour sélectionner Paramètres et Confidentialité, puis Paramètres. On sélectionne ici Informations personnelles et ensuite Gestion du compte. On aura ici la possibilité de désactiver le compte en sélectionnant donc Désactiver. Vous sélectionnez l'option que vous souhaitez. Nous aussi, on va mettre J'ai un autre compte Facebook et vous continuez. On notera que le compte Messenger associé au compte Facebook restera actif lors de la désactivation du compte. En ce qui concerne un compte désactivé, l'ensemble des informations de celui-ci sont pour la plupart invisibles. Seules les conversations Messenger restent toujours consultables par les destinataires des messages. On descend en bas de page. Vous pouvez également sélectionner « Ne plus recevoir de notifications de la part de Facebook » et vous validez « Désactiver mon compte ». Et voilà, votre compte Facebook a donc bien été désactivé. Si vous souhaitez le réactiver, il vous suffira simplement d'utiliser vos identifiants pour vous reconnecter à votre compte. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne et nous on se retrouve bientôt pour d'autres tutos sur Me désinscrire. Passez une excellente journée.